prend compte des suivis et évaluations des travaux du comité d'organisation du dialogue national inclusif ce vendredi. Autour du chef de l'État, les membres du dit comité ont reçu des consignes pour renforcer le dialogue social. Après des années d'absence du pays, l'ancien syndicaliste Djibril Assali Hamdallah regagne le barcaï. Il répond ainsi à la main tendue du Conseil militaire de transition. Autorités, parents et compagnons l'ont accueilli à son arrivée à l'aéroport. De remettre les délégations de pouvoir à la Fédération tchadienne de football association. L'annonce a été faite lors d'un point de presse de la directrice des sports de haut niveau. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h sur Télé-Tchad. Ouvrons ce journal avec les échos du palais de la présidence où s'est tenue la rencontre de suivi et d'évaluation des travaux du comité d'organisation du dialogue national inclusif. La rencontre a réuni autour du chef de l'État, les membres du dit comité. Le premier ministre de transition, Paimé Padaké Albert, y a également pris part. Reportage Nassour Nodjiti. Depuis sa mise en place le 2 juin 2021 par un acte signé du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, le Comité national du dialogue inclusif travaille d'arrache-pied pour traduire dans les faits l'engagement pris par le Conseil militaire de transition de tenir ces dialogues qui regroupera les Tchadiens de tous bords et à l'issue duquel l'avenir et le devenir du pays seront tracés. Ce vendredi 8 octobre, le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a bien voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, d'où la tenue de cette rencontre d'échange. Plantant le décor de la rencontre, le premier ministre de transition, Paimé Padaké Albert, a énuméré au président de la République les différentes étapes et l'état d'avancement des préparatifs. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif a soumis à l'appréciation du premier ministre chef du gouvernement de transition un budget lui permettant de faire son travail. Ce projet soumis à notre appréciation est aujourd'hui à l'étude. Mais afin d'éviter que le temps d'examen de ce budget ne retarde le travail du COTNI, une caisse d'avance de 400 millions a été allouée au bureau du COTNI pour lui permettre de continuer le déploiement de ses activités en attendant que son projet de budget puisse être validé en tenant compte des réalités de notre trésorerie. Intervenant pour la circonstance, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a vivement félicité les membres du comité d'organisation pour le travail titanesque abattu et leur a renouvelé ses vifs encouragements pour la suite de la mission. Pour le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, le dialogue en préparatif doit offrir à tous les Tchadiens un cadre inclusif de discussions franches, sereines et responsables. Aucun thème n'est tabou, a-t-il indiqué. Laissant parler son âme de soldat patriote et de chef d'État visionnaire, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, dira, je cite, qu'au sortir de ces dialogues nationaux inclusifs, les blessures et les déchirures seront pansées, les rancunes et les rancœurs seront pardonnées, les divisions et les divergences seront surmontées, les douleurs et les deuils seront oubliés pour donner la chance d'un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays. Fin de citation. Nous sommes un grand peuple et nous ne devons jamais oublier cela. Nous exportons la paix hors de nos frontières et nos soldats meurent pour contribuer à la stabilité du continent. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réunissions
pas la construction de cette paix chez nous-mêmes. Dixit, le président du conseil militaire de transition, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Idno, face aux membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Suivez. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le travail de préparation réalisé jusqu'ici et vous renouveler mes vives encouragements pour la suite de votre mission comme est importante. Le Conseil militaire de transition que je préside s'est engagé à tenir un dialogue national inclusif. Un engagement matérialisé par la création du Comité national du dialogue inclusif, dont les travaux font l'objet de cette rencontre de suivi, d'évaluation et d'orientation. Le dialogue national qui sera organisé doit offrir à toutes les composantes de la nation un cadre inclusif de discussion franche, sereine et responsable qui aborde toutes les grandes thématiques qui préoccupent le peuple tchadien. Aucun thème n'est tabou. Je suis pleinement conscient que l'organisation d'un forum national d'une telle ampleur implique la mobilisation des ressources adéquates. Malgré notre contexte financier difficile, j'instruis le Premier ministre à mobiliser les ressources nécessaires pour réussir l'organisation de cet événement crucial. Nous sommes un grand peuple et nous ne devons jamais oublier cela. Nous exportons la paix hors de nos frontières nationales et nos soldats meurent pour contribuer à la stabilité de notre continent. Le monde entier respecte notre pays pour son apport à la stabilité des États de la région. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas la construction de cette paix chez nous-mêmes. J'exhorte vivement les uns et les autres à mettre de côté les ambitions personnelles, les égos politiques et à saisir cette opportunité historique de dialogue pour penser profondément au Tchad, notre pays, et à ses enfants qui rêvent d'une patrie havre de paix, débarrassée définitivement de ces guerres fratricides. Notre peuple mérite de s'inscrire sur la voie du progrès, mais ce progrès est inconcevable sans la paix. Et cette paix elle-même est inconcevable sans la responsabilité. C'est pourquoi nous devons transcender nos différences pour faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour mettre notre pays sur le rail du progrès. Dans la même veine, nous serons appelés à nous surpasser pour nous soumettre à toutes les résolutions qui seront issues du dialogue national inclusif. Elles seront pleinement exécutoires car elles traduiront la volonté ultime du peuple tchadien souverain. Je demeure résolument engagé contre toute forme d'exclusion. Aucune composante de la nation ne doit être exclue du dialogue au nom d'un quelconque calcul politique que ce soit. J'ose espérer qu'au sortir de ce dialogue, les blessures et les déchirures seront pansées. Les rancunes et les rancœurs seront pardonnées. Les divisions et les divergences seront surmontées. Les douleurs et les deuils seront oubliés pour donner la chance d'un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays.
Le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno. Restons toujours à la présidence pour parler cette fois-ci de l'audience que le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordée à la délégation du Fonds monétaire international, conduite par son directeur adjoint du département Afrique, Vitali Karamerenkos. La santé économique et financière du pays a constitué l'essentiel des discussions. Nassounou Diti. Conduite par le directeur adjoint du département Afrique, Vitali Kramarenko, la délégation du Fonds monétaire international, FMI, comprend entre autres Edgar Gemayel, chef de mission du FMI pour le Tchad. Les discussions entre le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, ayant à ses côtés ses proches collaborateurs et la dite délégation, ont duré plus d'une heure. Elles ont été axées essentiellement sur l'évolution économique et financière du pays et le renforcement de la coopération entre le Tchad et le FMI. Nous avons discuté le programme du gouvernement de la reprise économique post-Covid et aussi les plans de coopération entre la République du Tchad et le Fonds monétaire international. Comme vous savez, le pays a fait une requête du financement du FMI et on a discuté comment on peut accélérer la considération de cette requête par le conseil d'administration du FMI. On a discuté la nécessité et l'urgence de restaurer la viabilité de la dette et l'importance pour le secteur privé, les créanciers privés, de s'engager à restructurer la dette du pays. Une fois que la viabilité de la dette est restaurée, le conseil d'administration pourrait considérer le dossier du Tchad en ce qui concerne la requête de financement. Le séjour au Tchad de la délégation du Fonds monétaire international prend fin ce 9 octobre. Peu avant le palais présidentiel, la même délégation a échangé avec le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. Justement, comme vous venez de le suivre dans ce reportage, le conseiller départemental Afrique du FMI, Edouard Gemayel, et le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, ont animé conjointement une conférence de presse au centre des discussions, la présentation de la situation économique et financière du Tchad et les perspectives pour la relance de l'économie nationale. Grand Gacha Mirima. La situation économique et financière du Tchad mérite d'être soutenue au regard de son engagement politique et économique à œuvrer pour le bien-être de sa population. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée conjointement par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et le directeur adjoint Afrique, Fonds monétaire international. Durant une heure, les deux hautes personnalités ont largement édifié les journalistes de l'évolution de la situation économique et financière du pays. Et le ressort de cette analyse que le Tchad, malgré les difficultés connues sur le plan sécuritaire et sanitaire, notamment liées au Covid-19, la volonté du gouvernement reste ferme et des programmes d'ajustement structurel sont mis en exécution. Nous sommes en programme et nous demandons l'appui. Et pour avoir ces appuis, nous nous engageons à faire davantage de recettes propres. D'abord, nous comptons sur nous-mêmes. Nos régies ont fait beaucoup et ont toujours rempli leurs objectifs sans que l'économie ne s'affaisse, sans que les activités ne prennent un grand coup. Les régions ont pu faire des recettes telles que nous attendions d'elles. La restructuration des dettes, l'accord des créanciers constitue un facteur sans nul doute essentiel pour la relance de l'économie nationale, devait signifier le représentant du FMI. Tout ce que je peux espérer, c'est que vous aurez le plus rapidement possible cette assurance de la part de Glencore sur un processus similaire que celui que vous avez reçu des créanciers officiels publics, car ceci nous permettra de débloquer notre programme, de le présenter au conseil d'administration et de pouvoir commencer à décaisser. La pandémie de Covid-19
Le terrorisme et les dettes intérieures ont favorisé la contraction du produit intérieur brut à 1%, mais les futures actions définies conjointement par le Tchad et le FMI laissent présager un embellis financier pour les prochains mois. On en vient au deuxième titre de ce journal. La politique de la main tendue du Conseil militaire de transition porte ses fruits. Des politico-militaires font leur retour au pays. Le dernier a foulé le sol de la mère patrie et l'ancien syndicaliste Djibril Assali Amdallah. Il a regagné le pays ce vendredi 8 octobre 2021. Autorités, parents, amis et compagnons ont fait le déplacement pour lui réserver un accueil chaleureux. Adouma Mangana Adoum était à l'aéroport international à Saint-Diamous pour le compte de Télé-Tchad. Son reportage. Après plus de 10 ans d'exil au Burkina Faso où il vit, l'ancien secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Djibril Assali Amdallah, fait son retour au pays. Djibril Assali Amdallah a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par les membres du comité technique. Le retour au pays de ce leader syndical, Djibril Assali Amdallah, s'inscrit dans le cadre de la politique de la réconciliation nationale prônée par le Conseil militaire de transition. Après son entrée fracassante en politique, l'ancien secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad quitte le pays pour rallier l'Union des forces pour le changement et la démocratie, l'IFCD, où il devient le premier vice-président de ce mouvement armé. La figure emblématique de la lutte syndicale au Tchad livre ses impressions. L'accueil vraiment est chaleureux. Et je suis très impressionné par tout ce monde qui se trouve à l'aéroport pour m'accueillir. Et je remercie tout le monde, en tout cas, pour cet accueil. Le retour au bercail de Djibril Assali Amdallah a été rendu possible grâce aux efforts fournis par le comité technique spécial chargé à la préparation pour la participation des politico-militaires au Forum national du dialogue inclusif. Depuis pratiquement plus d'un mois, nous avons engagé des discussions avec lui et il a accepté la main tendue du président de la République, du comité militaire de la France. Il retourne chez lui sans condition. Pour rappel, l'ancien secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Djibril Assali Amdallah, est l'un des acteurs majeurs de lutte syndicale au Tchad et une figure politique reconnue. Merci Adoum Mangana Adoum. Rendons-nous tout de suite au Palais de la démocratie où les conseillers nationaux de transition ont adopté 2 projets de résolution. Il s'agit d'un projet portant création d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Conseil national de transition et celui autorisant le recrutement du personnel indispensable aux membres du bureau. La deuxième séance ordinaire 2021 a été présidée par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Compte rendu, Apolline Gani. La commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Conseil national de transition sera composée de 21 membres et disposera d'un délai de 15 jours pour déposer son rapport au bureau du Conseil national de transition. Avec l'adoption de cette présente résolution, conformément à l'article 76 de la charte de transition, le Conseil national de transition disposera désormais des textes réglementaires et légaux pour une merveilleuse organisation et fonctionnement. Au cours des discussions, les conseillers ont évoqué des questions relatives au nombre pléthorique du poste de trésorier et du respect du délai des travaux avant le dépôt du rapport. Le président du bureau du CNT, Dr Haroun Kabadi, a relevé que le bureau tiendra compte de toutes les corporations pour la mise en place effective de cette commission ad hoc. Par conséquent, il a insisté sur le choix des compétences pour l'élaboration d'un règlement intérieur de qualité. Au vu de la nouveauté de la chose, on a quand même 72% des conseillers qui sont nouveaux et il est important, c'est vrai, de choisir les meilleures compétences, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, pour faire le travail. Le projet de résolution autorisant le recrutement du personnel indispensable aux membres du bureau a été adopté à l'unanimité par les conseillers en attendant l'adoption du règlement intérieur, ainsi le recrutement pour l'accomplissement de leur mission.
Cette résolution a été également approuvée par l'ensemble des conseillers nationaux de transition. Et puis la teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration et le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation informent les partis politiques et les associations de la société civile que conformément à l'ordonnance numéro 023-2018, portant régime des associations, il est disposé, ce qui suit, ne peuvent se grouper ou se fédérer que les associations ayant un but analogue et une activité axée sur des problèmes identiques, conformément à l'article 29 alinéa 4 de cette ordonnance, selon l'article 28 alinéa 2 de la même ordonnance. Les associations pour la défense des droits de l'homme ne peuvent en aucun cas avoir des prises de position ou des activités à caractère politique. Par ailleurs, les partis politiques peuvent faire des regroupements entre eux conformément aux dispositions de la loi numéro 032-2019 portant charte des partis politiques. De tout ce qui précède, ne peuvent être autorisés à organiser les marches et les manifestations publiques que les organisations de la société civile entre elles et les partis politiques entre eux dans le respect du communiqué numéro 041/PCMT/PMT/MSPI/DGM/2021 du 7 mai 2021 autorisant les marches et les manifestations pacifiques en République du Tchad en cas de violation des textes en vigueur. Des sanctions prévues en la matière seront appliquées. N'Djamena, le 8 octobre 2021, pour les ministres, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleymane Abakar Adam. Sachez que nous recevons sur ce plateau le commissaire divisionnaire porte-parole de la police nationale pour une communication. Monsieur Paul Manga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adam Abdelkader. Nous vous écoutons. Le directeur général de la police nationale attire l'attention des partis politiques, les transformateurs et le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, et les deux associations de la société civile, à savoir l'Union des syndicats du Tchad et l'Association tchadienne de la liberté parole à la jeunesse, que la marche prévue ce samedi 9 octobre 2021 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national pour les motifs ci-après. Le non-respect des conditions prévues par le communiqué numéro 041/PCMT/PMT/MSPI/DGM/2021 du 7 mai 2021, notamment le délai d'introduction de la demande. Le risque de troubles à l'ordre public, compte tenu du non-respect des engagements pris par les organisateurs lors de la marche du 2 octobre 2021. Malgré les menaces terroristes, les plus hautes autorités ont décidé d'autoriser les marches ou manifestations pacifiques. Certains partis politiques et associations de la société civile, avec des agendas cachés, ont choisi l'affrontement avec les forces de l'ordre dans le but ultime de faire couler le sang des paisibles citoyens. En cas de violation des termes de l'arrêté numéro 137/PCMT/PMT/MSPI/DGM/2021 du 7 octobre 2021 portant interdiction de la dite marche, les organisateurs seront tenus responsables de tout ce qui adviendra. Par ailleurs, le directeur général de la police nationale invite la population à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Enfin, le directeur général de la police nationale dément formellement les fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux selon lesquelles cette marche interdite serait autorisée par le ministère en charge de la sécurité publique. Je vous remercie. Merci, monsieur le commissaire divisionnaire, porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Bonsoir.
Le 20h se poursuit. Le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Hama, Dieudonné Dionabaye, a installé à Koumra le coordonnateur de l'institution pour le Mandoul et le Moyen Chari. Ditaingé, Ngueta Félix est sur place. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betonga, a dans son mot de bienvenue souhaité un agréable séjour et croit fermement que l'installation des représentants de la Hama dans la province du Mandoul pourrait réguler en temps réel la conduite des médias. Le secrétaire général de la Haute Autorité des médias audiovisuels, Félicien Aladoum Radingagne, a lu la décision portant nomination de Orniade Sedalta en qualité de coordinateur de la Hama pour les provinces du Moyen Chari Mandoul avec résidence à Sarre. Le président de la Haute Autorité des médias audiovisuels, Dieudonné Dionabaye, a d'abord levé l'équivoque sur l'ONAMA, Office national des radios et télévisions, et la Hama, qui est une institution de la République. Si vous avez des problèmes, n'allez pas rencontrer les journalistes, ne convoquez pas le responsable de ces organes, de ces médias. Soit vous saisissez automatiquement le coordonnateur par une requête ou une plainte qui se chargera de transmettre la plainte à la Hama au collège là-bas à N'Djamena. Le patron de la Hama, Dieudonné Dionabaye, a échangé avec ses confrères journalistes de la province du Mandoul sur l'éthique et déontologie du journaliste, surtout en cette période de transition. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger, Omar Ibn Daoud, a lui reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume Jordanie avec résidence à Khartoum, Saïd Khalid Mohamed Radaïdesh. Celui-ci est venu remettre les copies figurées de ses lettres de créance au secrétaire d'État, Joseph Ngarto. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger, Omar Ibn Daoud, consacre l'après-midi de ce vendredi au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume hachémite de Jordanie, Saïd Khalid Mohamed Radaïde, qui a pour résidence Khartoum au Soudan, est venu lui remettre les copies figurées de ses lettres de créance. Et c'est une bonne occasion pour parler de notre relation bilatérale. On trouve qu'il y a beaucoup de possibilités pour développer les relations et aussi les positions politiques de Jordanie et de Tchad. Dans la foulée, le diplomate jordanien affiche la volonté de son pays à consolider davantage ses relations avec le Tchad. Et cela pour le bénéfice des deux peuples frères et amis. Sachez que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, participe à la troisième conférence ministérielle Italie-Afrique qui se tient à Rome depuis le 7 septembre. À cet effet, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Béassoumda, a rencontré ce vendredi les membres du Bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact depuis son élection lors du dernier congrès Ngueyam Ben Guéry. Quelques jours après leur élection à la tête de l'Union nationale des étudiants tchadiens lors du troisième congrès extraordinaire, les membres du Bureau national de l'UNET sont venus prendre contact avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Béassoumda, en vue de recueillir ses avis et conseils pour la bonne marche de leur organisation. On a pris notre responsabilité pour diriger l'UNET. Elle nous a appelés pour nous féliciter et nous a orientés aussi. Lors de la rencontre, des orientations et instructions fermes ont été données par la ministre, surtout en ce qui concerne les activités académiques. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y ait régulièrement les cours, le maintien des activités académiques. Et nous œuvrons à cela à différents niveaux. Nous travaillons à cela avec les enseignants-chercheurs, avec les universités, avec les départements. Ce que nous allons vous demander, c'est d'être patient. La ministre de l'Enseignement supérieur appelle aussi les membres du Bureau national de l'UNET à la franche collaboration et au sens des responsabilités afin d'améliorer leurs conditions d'études, car l'avenir leur appartient.
La directrice des sports de haut niveau a fait un point de presse. Lors de ce point de presse, Assel Memadji a annoncé la restitution de la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne de football association, tenant compte de l'implication de toutes les parties prenantes pour une vision commune au profit de l'intérêt général. Extrait. Se conformant à la lettre de la Fédération internationale de football association, tenant compte des engagements pris par cette instance internationale de football pour envoyer une mission d'audit en accord avec la Confédération africaine de football et de mettre en place un projet de relance du football au Tchad. Cette vision sera traduite par une nouvelle collaboration inédite entre le ministère et la Fédération internationale de football association qui définiront les bases d'un nouveau départ. Pour des raisons d'équité et considérant que le retrait de la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne de football association et à la Fédération tchadienne d'athlétisme ont été motivés par les mêmes articles de la loi 026/PR/2007 du 10 décembre 2007 portant charte nationale du sport et du décret 1591/PR/MJSPE/2018 et fixant les conditions et d'attribution de retrait de la délégation de pouvoir aux fédérations sportives. Le ministère en charge des sports remet également la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne d'athlétisme. La directrice des sports de haut niveau, Assel Memadji. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous demain, 20h.